Merci. Oh. Amina, là, on fait content. Merci beaucoup. Et alors, je vais essayer d'appeler la colère. Elle a appelé plusieurs fois. Elle est où? Voilà, je vais essayer. J'espère qu'elle n'est pas occupée. Allô? Allô? On a un direct négo, il va la réalité. Quand on a un bel rêve, on doit dire. Mais pourquoi? Ah non, mais on dirait dit, on va nous aider. C'était très intéressant. Parce que je vais arrêter dans 15-20 minutes là. La prière c'est 36. Donc là, je veux régler. Voilà, et puis peut-être une personne. Il y a l'affaire Sarkozy, okay. Il y a Kounsitel et les Donzo, il y a le prix du carburant, il y a l'état des routes, il y a l'arrestation de certains jeunes de l'Axe. Voilà. Donc, Nina. On a le choix. On vote quoi? Donc on a pour le cinéma. Oui. Ah, vraiment. Mais à titre tourné, on a Sarkozy. Ah, Sarkozy. Sarkozy, que le président des RPGistes a. Le faux panafricain a reçu Sarkozy. Voilà, il a reçu en fait. Le panafricain a reçu en fait celui qui déteste tous les Africains, en fait. C'est-à-dire, Alpha Condé, il y a des moments, moi je ne comprends même pas. L'incohérence que ce type il a en fait avec l'incohérence que ce type il a avec, avec son combat panafricain. C'est incroyable. Parce que quelqu'un qui se dit panafricain, tu ne peux pas te permettre, c'est-à-dire de souiller en fait ton identité avec un type comme Sarkozy. Sarkozy. Surtout c'est un juste président ça. Délinquant comme Sarkozy, hein, qui est aujourd'hui même qui est aujourd'hui même poursuivi pour délinquance, hein, dans son propre pays. Un type qui a insulté tous les Africains, jusqu'à aller dire que nous, les Africains, qu'on n'est pas rentrés dans l'histoire. Que c'est pour ça que l'Afrique est au bas de l'échelle. Parce que l'Afrique n'est pas rentré dans l'histoire. Après 400 ans d'esclavage, ce type se permet de nous dire que nous, on n'est pas rentrés dans l'histoire. 400 ans d'esclavage. Et aujourd'hui, mais de toutes les façons, on le sait très bien que mon mari, de toutes les façons, il n'a pas d'autre choix que de s'accoler à des individus pareils. Parce qu'aujourd'hui, sa situation est critique. Oui. Quand tu prends un chemin d'indignation, d'indignité totale, eh bien, tu vas te retrouver avec des personnalités comme ça, qui n'ont plus de valeur, qui n'ont plus de dignité. C'est ce qui est en train de lui arriver. Oui. Il n'a rien compris encore. Eh bien, ça va être encore comme ça. Sinon, comment tu peux te permettre? Ce type, ce Sarkozy est venu, il nous a fait perdre plus de 46 millions de dollars. 46 millions de dollars dans une histoire insultante pour toute la nation guinéenne. Avec un Israélien malhonnête qui est venu acheter pour une bouchée de pain nos gisements dans notre pays. Et la Suisse, la Guinée, Sarkozy vient, il négocie ça en catimini entre eux là-bas, il se partage le gâteau. Et puis le type, l'Israélien, il continue encore son chemin. Mais puisque la Suisse, eux, ce n'est pas des maudits comme la Guinée, eux, ils se sont dit, ce type, il est venu en Guinée, il a acheté pour une bouchée de pain. Le bien de toute une nation. Et en plus de ça, soi-disant que c'est quelqu'un qui vient exploiter, alors que ce n'est même pas, il n'a même pas une entreprise d'exploitation minière. C'était juste pour venir, en fait, se greffer sur notre bien.
il l'a revendu à un prix encore plus au triple de ce qu'il a acheté. Alors qu'il avait signé des choses comme quoi il vient pour créer des emplois en Guinée et tout ce qui va avec. Derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu à un prix pharaonique pour venir se graisser son nom. La Suisse a dit, puisque la transaction là s'est passée dans la banque suisse pour arriver dans la main de ceux qui ont été à la base de ça dans le pays, en Guinée, ils ont dit non, c'est illégal. Oui. Et sur notre territoire, ce genre de merde, ça ne passe pas. Oui. Et ils ont poursuivi, c'est que la Guinée, elle, elle a renoncé, soi-disant. Elle n'a pas renoncé du tout. La Guinée n'a pas renoncé. Ils ont fait ça à leur sauce. Oui. Ils ont pris leur intérêt dedans. Et pour, tant pis pour les Guinéens. Oui. Les Suisses, eux, ils ont condamné le type. Ils l'ont pris 46 millions d'euros au passage. C'est 46 millions d'euros, là. C'est la Guinée qui devait avoir ça. Oui. On devait se poursuivre ce type et avoir plus que ça, d'ailleurs. Et lui retirer tout, sans rien derrière. Ces 46 millions d'euros auraient servi quelque chose à la Guinée aujourd'hui. Mais bon, que tu sais, Chimène. Après avoir pillé notre caisse pour un troisième et je ne sais pas quoi, qui aujourd'hui est en train de faire souffrir les Guinéens. Ces 46 millions auraient servi à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, puisque les caisses sont vides et que personne ne veut leur donner de l'argent, au moins cet argent aurait servi à quelque chose. Non, c'est eux qui allaient bouffer, de toute façon. Les gens qui sont capables de s'attacher tout seuls. Ils n'ont même pas besoin de nous. Donc, cette histoire du panafricain, Alpha Condé n'a jamais été un panafricain. Il n'a jamais été un panafricain. Il s'est juste colmaté l'histoire, l'étiquette de panafricain pour pouvoir piller sa nation, pour pouvoir embrouiller les gens et arriver là où il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'histoire le rattrape parce qu'il a montré ses limites. Il a montré que pourquoi, ce pourquoi il s'est battu jusque là où on est. Aujourd'hui, il est en train de nous montrer. Donc, voilà, le panafricain n'existe pas. En Guinée, en tout cas, il n'est pas là. Peut-être on va attendre quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce n'est pas ce Alpha Condé. Parce qu'un panafricain défend les valeurs de l'Afrique et défend les intérêts de l'Afrique. Mais tu ne vas pas négocier en catimini les intérêts de ton pays pour une histoire de bouchée de pain. Wallahi. Donc, voilà. Ça, on ne va même pas aller loin. Concernant les donzos. Les donzos, on a bien vu ce qui s'est passé. Oui. Apparemment, c'était... On ne sait même pas d'où ils viennent. La dame qui a intervenu tout à l'heure, elle a dit quelque chose qui est très important à comprendre. Elle a dit qu'elle ne sait même pas comment ces donzos... Parce que apparemment, il y a eu plus de 200 donzos. 200 donzos sur leur moto, en fanfare, mais de la Haute-Guinée jusqu'à en Moyenne-Guinée. Et elle a dit tout à l'heure comment ces gens-là sont arrivés à passer les frontières, passer les barrages jusqu'à pour là-bas, arriver jusqu'à Moyenne-Guinée. Oui. Si ces personnes-là n'étaient pas cautionnées par des gens qui sont perchés là-haut, comment ces gens-là pouvaient passer comme ça jusqu'à arriver à Moyenne-Guinée sans qu'il y ait eu des alertes pour dire attention, il y a, il y a tout un tas de donzos qui descendent, on ne sait pas où ils vont. Oui. Mais ces gens-là sont passés tranquillement comme si de rien n'était. Et puis avec une argumentation soi-disant qu'ils viennent pour sécuriser les zones minières. Et finalement, qu'est-ce qu'on entend? C'est finalement, non, ils n'ont pas été dépêchés pour venir faire sécuriser les lieux. Non, eux aussi sont venus pour faire, pour chercher de l'or. De l'or, oui. Après, j'entends des Guinéens hypocrites qui sortent pour nous dire, ah non, ben la Guinée appartient à tout le monde, tout le monde peut mettre ses pieds là où il veut. Oui, la Guinée appartient à nous tous, si on se penche sur ce talent-là. Oui. Mais le bien qui appartient à la Guinée, on ne peut pas s'engouffrer comme ça, comme bon nous semble. C'est quelque chose qui doit être et fait à la lettre, dans les règles.
Voilà, on ne peut pas se lever comme ça et venir du jour au lendemain, débarquer quelque part en Guinée parce que tu es guinéen et que tu as le droit d'être partout et que tu... Il y a des règles à respecter. Normalement. C'est pour ça, c'est ce qu'on dit tous les jours. On se bat pour ça, pour que nos règles soient respectées. Mais comme ils ont l'habitude d'aller dans la forêt à 5h du matin, 6h du matin, 2h, 3h du matin et tuer les animaux sans défense, donc ils ont... Et maintenant, comme ils voient que les militaires sortent, ils tuent les Guinéens sans défense, ils ont l'impression qu'on est des animaux. Mmh. Alors ils peuvent débarquer avec leurs armes et faire comme ils veulent, n'importe quoi. Mmh. Et là, au moins, je tiens quand même à dire bravo quand même à ce préfet qui est à Kousitel là-bas. Mmh. Qui a quand même eu quand même pour une fois dans sa misérable vie à celui-là aussi, qui a eu le courage quand même de sortir et de dire à ces bonzos-là de dégager. Il leur donne 48 heures pour qu'ils dégagent. Mais ça aussi, voilà, lui aussi il a fait ça. Mais on sait, si en tout cas ces bonzos-là, en fait ils sont alimentés par quelqu'un qui est perché là-haut, on verra dans les 48 heures. Parce que c'est la Guinée. Oui. Ils vont quitter. Mais si on voit qu'ils restent toujours là, ils insistent, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un très haut placé qui leur donne cette force de rester. Donc, on verra. Mais comme le pays là est devenu d'ailleurs de la Mamaya, donc n'importe qui se réveille le matin, il a fait un rêve, un cauchemar, il se dit, voilà, il peut le réaliser. Je vais faire ça. Et oui, parce que le président de la République aussi, quand il fait des cauchemars, il se réveille et puis il applique ça sur la population. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir avec tous ces analphabètes sortis de la bourse là. Oui. C'est vraiment dommage. Parce que si ces gens-là respectaient les règles, avant d'aller pour dire on vient pour creuser, il y a des règles à respecter. Tu sais où aller. Les autorités qui doivent te donner le permis d'aller creuser, tu sais où ça se trouve. Mais tu te lèves comme ça, tu viens en fanfare. Oui, parce qu'on leur a montré que, d'ailleurs, la moyenne Guinée, c'est une zone qu'il faut... C'est-à-dire la population qui est là, on n'a aucun respect pour eux. Oui. Voilà, c'est une population inexistante, c'est une population qu'on doit... voilà, qui mérite tout. Oui. Toutes les indignations du monde. Cette population mérite ça. C'est pour ça qu'ils viennent s'installer comme ça là-bas. Sinon, ce n'est pas à Kousitel seulement qu'on a dit qu'il y avait des zones minières. Il y avait aussi à Bokeh, ou bien. Oui. Pourquoi ils n'ont pas pris leur moto et allé en fanfare à Bokeh quand on a dit qu'il y a de l'or là-bas? Oui. Pourquoi c'est à Kousitel qu'ils viennent débarquer? C'est parce qu'ils ont déjà ancré dans leur cerveau que la population de cette zone-là voilà, ils n'ont pas de valeur. Oui. Et qu'on doit faire de ce qu'ils veulent. Mais j'espère que, en tout cas, ils entendront l'ultimatum du préfet de Kousitel et puis on verra. Sinon, on va sortir autrement contre eux. Inch'Allah. Maintenant, par rapport au carburant, ce n'est même pas la peine de trop aller là-dessus. Parce que de toutes les manières, vous avez vu que malgré tout ce qu'ils ont dit, soi-disant que non, on augmente l'essence, le prix de l'essence, mais le transport ne va pas augmenter. J'ai dit la dernière fois, dans ma petite vidéo que j'avais faite, dans ma plateforme, que c'est une foutaise. Et que derrière, encore, c'est vous qui allez morfler. Et puis, en plus de ça, l'augmentation du prix, c'est une façon encore de diviser le peuple. L'augmentation de prix, c'est la division sociale que ce type a organisée encore. Parce qu'il sort ses tarifs à la con, donc il n'est même pas capable de gérer sur le territoire pour savoir qui est-ce qui respecte ça. Mais en fait, il fait un semblant de dire, voilà, l'État a dit que le prix, c'est ça. Maintenant, vous, en tant que citoyen, vous vous retrouvez dans la ville. Et vous chamaillez à cause de ça. Alors que celui qui a dit que le prix c'est ça, il n'a même pas pris les dispositions qu'il faut pour protéger la population qui prend ses transports. Encore une fois, c'est une politique
de diviser pour continuer encore à régner sur nous, c'est-à-dire à continuer à renflouer les caisses parce que plus vous êtes obligé de payer l'essence. Oui. Quand tu payes l'essence, lui, il prend ce qu'il a rajouté dessus, là, les 2000 francs qu'il a rajouté, il continue encore à prendre cela sur le dos de tout le monde. Et les denrées alimentaires, tout va augmenter derrière. Mais c'est vous, population, puisque de toutes les façons, vos salaires ne vont jamais augmenter. Et pire, d'ailleurs, actuellement, il ne paye qui, déjà, il n'a même pas l'argent pour payer, c'est-à-dire ceux qui l'ont accompagné dans cette confiture-là, c'est-à-dire les députés chèvres qui sont à l'Assemblée. Il n'a du mal à payer ceux-là, et bientôt, il va avoir du mal, parce que si vous voyez même que les donzos débarquent de l'autre côté là-bas, certainement, il a du mal à payer même ses militaires. Oui, c'est possible. Voilà. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui sont en train de voir. Les élèves, on n'en parle même pas. Ils n'arrivent même pas à payer les étudiants non plus. Donc, on a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et ils pensaient vraiment qu'en essayant d'amasser, comment on appelle ça, l'impôt intérieur, que ça allait régler leurs problèmes. Alors que l'argent, là où ça se trouve, ils savent très bien là où ça se trouve. Tout ce qu'ils ont pillé, qu'ils ont sorti de la Guinée pour aller le déposer dans les paradis fiscaux, mais l'argent est là-bas. Il faut aller chercher notre argent. Ah, il faut aller chercher, oui. Il faut aller chercher l'argent que de taxer le piment que la femme vend au marché là-bas. Parce que taxer le piment, ce n'est pas ça qui va faire que la Guinée va se développer. Hein. Donc, là où notre argent est parti, là, ce type n'a pas se lever, il n'a pas allé chercher les sous. Là où ça se trouve. Il y a des gens, il y a des DAF qui ont des étages en Guinée là-bas, qui ont des villas à ne même plus compter. Il n'a pas fait les audits. Tous les jours, on indexe les gens dans les journaux, ils ne s'y intéressent même pas. Parce que il sait comment il est arrivé au pouvoir, et puisqu'il sait qu'il est arrivé au pouvoir de façon forfaitaire, et donc le clientélisme va continuer à battre l'aile. Parce que ceux qui l'ont aidé à s'imposer sur tous les citoyens guinéens, il faut qu'ils les graissent. Et voilà les conséquences que nous avons. Donc voilà. Quant aux jeunes de l'Axe, nous on a déjà dit ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. J'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord que les jeunes de l'Axe sortent. Parce que ça ne sert à rien de sortir pour l'intérêt de toute une nation, alors que les autres sont couchés là-bas. Oui. Arrêtez de sortir, arrêtez de faire de vous des sacrifiés de ce pays. Vous n'êtes pas mieux que les autres là. Vous aussi, soyez des simples Guinéens, comme tout le monde. Voilà, vous battez pour votre survie dans le pays, et ça s'arrête là. Concernant l'intérêt national, que chacun se démerde. Oui. Chacun sauve son âme. Voilà, chacun n'a pas de deux. C'est difficile pour nous de dire ça, parce que souvent quand tu dis ça, il y a d'autres qui ont perdu leurs enfants dans cette histoire. Beaucoup ont perdu des familles dans cette histoire. Je sais que c'est très difficile. Oui. Mais est-ce que ça vaut le coup de reperdre encore d'autres? Ça ne vaut pas le coup. Oui. Puisque en tout cas, si on se dit que le combat que nous le faisons pour toute la nation guinéenne, alors posons-nous la question, pourquoi c'est nous seulement qui nous levons, alors que c'est un combat citoyen pour tout le monde. Donc si c'est vraiment un combat citoyen pour tout le monde, attendons que tout le monde soit d'accord pour se lever. Oui. Mais arrêtons de nous lever. Faisons le Guinéen mourir de faim. C'est pas compliqué. Oui. De toutes les façons, comme tu l'as toujours dit, tout à l'heure, nous, la diaspora, c'est nous qui devons faire ce combat-là. Donc, si 99% de la diaspora, c'est eux qui font bouffer ceux qui sont de l'autre côté, organisons-nous et coupons leur ration. Oui, ça aussi, ça va venir, Inch'Allah. Chimène, et puis il y a beaucoup de personnes qui vont parler de ça. On va les laisser, ce gouvernement-là va les donner. Ça aussi, ça va venir, Inch'Allah. On va voir ce que ça va faire. On va mettre un truc en place. On avait déjà parlé de ça. Parce que moi, je sais que c'est difficile pour certaines personnes. Ils vont dire, ah, moi, il faut que j'envoie de l'argent à ma mère, à mon père, à ma tante, à mon oncle. Oui, tout ça. Mais c'est ceux-là qui alimentent l'injustice qui est dans notre pays.
Parce qu'ils ne veulent pas se lever. Mmh. Alors, si ils arrivent à applaudir pour ceux qui leur laissent affamés dans leur pays, ben nous aussi, on peut le faire sans problème. En tout cas. On peut le faire aussi. Ils vont nous applaudir aussi. Derrière, quoi le problème? Un, deux, trois mois, ça ne va pas les tuer. Un, deux, trois mois, ça ils vivent ça depuis que ils la Guinée est Guinée. Ils vivent, les gens survivent. Hein. Couper la ration, mais en deux, tout cas, trois il faut mois. Que ces jeunes-là arrêtent de sortir. C'est parce pas... que ça ne sert à rien. Tant que c'est eux seulement qui sortent, eh bien, ça sera toujours pareil. On dira toujours que voilà, vous voyez, c'est eux seulement, c'est eux qui veulent voilà. Pas la paix dans ce pays. Il faut arrêter. Mm-hmm. Il faut arrêter. Si la Guinée tombe sombre, personne ne dira que c'est votre faute. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. Vous avez assez fait comme ça. Oui. Donc, si la Guinée sombre demain, vous pouvez dormir tranquille et ronfler même. Mais personne ne sortira ici pour dire que c'est la faute de ceux-là. Oui. C'est tout. Donc voilà. Merci beaucoup. Ma clé n'a pas passé. Ah oui, bon courage. Alors, merci. Merci, à bientôt, Inch'Allah. Bis. Voilà, donc, comme je vous l'avais dit, la colère voulait rajouter sa petite part. Il y a un truc que je vais vous dire, il est l'heure de prière. Un RPGiste a publié ça, quelqu'un me l'a envoyé, je ne vais pas dire son nom, mais en France, la pompe, un litre d'essence égale à 1,60 centimes, équivaut à 17 000 francs guinéens. Un litre de gasoil est égal à 1,50 euros, vaut 16 000 francs guinéens. Appelez là-bas pour savoir. Ces gens-là, ils ne fument pas le cannabis, ils le mangent. C'est-à-dire, ils font ça en sauce feuille, sans pâte d'arachide dedans, sans huile de palme. Des gens-là. Moi, j'aime les publications comme ça. Mais c'est quoi le salaire moyen en France? C'est quoi le revenu minimum en France? Moi, j'aimerais bien qu'on compare la France, par exemple, avec l'électricité, par rapport à l'eau, la propreté, les écoles, l'état des écoles, l'état des habitations. Moi, j'aime ça. C'est-à-dire, ces gens-là, je ne sais pas si ça va dans leur tête ou alors les gens auxquels ils s'adressent, ils pensent que ça ne va pas dans la tête de ces gens-là. Quand c'est négatif, on dit que, oh, c'est comme l'immigration en ce moment-là. Que oui, c'est tous les pays d'Afrique. Mais vous êtes les premiers à dire que vous êtes riches plus que ces pays-là. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas comment certaines personnes veulent se foutre de la personne en face. C'est-à-dire, moi il y a des trucs, quand tu veux me convaincre sur certains sujets, j'ai l'impression que tu te fous de moi. C'est ça mon gros problème avec certaines personnes. Comme ça à faire Sarkozy. On va parler rapidement de Sarkozy. Quand il y avait cette histoire de Sarkozy, il y avait Sarkozy et Ségolène Royal, je crois. Nous, on manifestait à ce moment-là sur Paris, avec les Sorel Bangoura, les Sorel Keita là. On manifestait à Paris avec beaucoup d'étudiants. Et ça, c'était au moment du feu président Conté. Je ne me rappelle plus de l'année. Donc, moi, c'est pour vous dire, il y a des gens qui ont contacté certaines personnes qu'il y a une dame là qui parle, c'est comme si, c'est comme ça. Le monsieur leur a dit que, comme vous voyez celle-là, laissez-la comme ça, parce que vous ne pouvez pas. Ah, tu la connais? Il dit, oui, je la connais depuis très longtemps. Elle a commencé les manifestations, elle devait avoir 22 ou 23 ans, quand on était à Paris. Si c'est les injures, quand on voit celle-là en voile aujourd'hui, c'est Dieu qui peut faire ça. Que vous ne pouvez pas arrêter celle-là, laissez-la parler. Elle ne se fatiguera pas. Quand elle aura envie d'arrêter, elle va arrêter. Ce n'est pas vos injures ou quoi que ce soit qui vont arrêter celle-là. Ah bon, tu la connais? Je la connais très, très bien. Très, très bien. Donc, cette histoire politique-là, je ne vous écoute pas. Je ne vais même pas vous écouter sur ça. C'est vous qui bloquez les femmes voilées. C'est vous qui rétrogradez les femmes voilées. Tandis que vous voyez en France ici, on interdit le voile, pourquoi? On veut interdire le voile, pourquoi? Parce qu'on se dit que les voiles ne rapportent rien à la société. Elles ne sont pas représentées en politique, elles ne sont pas du tout représentées. Et ce sont des ignares et des ignorants comme vous qui font cela,
qui donne cette impression aux gens. Je vais revenir à Sarkozy. Pendant que nous, on faisait ces manifestations, il y avait beaucoup de Guinéens qui n'avaient pas de papier. Moi, je n'avais pas les mêmes procédures que les autres Guinéens. Je n'étais pas expulsable. Voilà. Donc, eux, ils étaient expulsables, ils avaient des problèmes. Mais ils étaient plus inquiets pour la France que pour la Guinée. Ces gens-là se moquaient de moi. Quand je partais manifester, ils se moquaient de moi. C'était toute ethnie confondue. Hein. Je les laissais là, moi je partais. J'envoyais des SMS un peu partout. Et voilà quoi. Donc, c'était assez particulier. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de monde qui partait dans les manifestations. Difficilement, on avait 200, 300 personnes. Il y avait des moments Tidiane Diafakoli qui venaient. Bon, c'était pas mal, quoi. Donc, ces gens-là étaient beaucoup inquiets pour la France. Et ils n'étaient pas inquiets pour la Guinée. Tout leur problème était qu'il ne faut pas que Sarkozy passe. Écoutez bien, quand je vous dis que on a un ADN sorcellerique, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Donc, si Sarkozy passe, Sarkozy n'aime pas les Noirs, il va rapatrier tout le monde. Sarkozy n'est pas bien pour eux. Je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, je ne vous comprends pas. On va aller manifester pour la Guinée, parce que si ça va en Guinée, on va rentrer. Vous n'avez aucun lien avec la France. On ne vous a pas appelé ici. Sarkozy va défendre l'intérêt des Français. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de réaliste. Quand moi, je vois Marine Le Pen parler, moi, je ne lui en veux pas. Hein. Marine Le Pen défend la France. Elle est dans ses droits. Qu'elle critique l'immigration ou les immigrés, elle a parfaitement raison. C'est ce que je ne comprends pas chez l'Africain. Ils vont se dire qu'eux, ils détestent Marine Le Pen. C'était la même histoire avec Sarkozy. Toutes ces personnes qui ne voulaient pas de Sarkozy, c'est Sarkozy qui les a régularisées. Est-ce que vous comprenez? Je leur ai dit pendant la campagne de Sarkozy. J'ai dit, Sarkozy dit qu'il va régulariser au cas par cas. Et il a raison. Et c'est Sarkozy qui les a tous régularisés. Elles sont en train, c'est des hommes et des femmes, ils sont en train de me regarder en ce moment. Ils ont oublié l'histoire, mais ils sont en train de rire là. Sarkozy les a régularisés. Je leur ai dit, je ne vous comprends pas. Je dis, tant que ça ne va pas pour les Français de souche, ils vont pointer l'immigration du doigt. Il faut qu'on fasse en sorte que les Français de souche se sentent bien. Ils sont chez eux. Quoi qu'il arrive, on a été colonisés. Il y a eu la traite négrière. Il y a eu ci, il y a eu ça. Ceux-là, la plupart, ils ne sont même pas au courant de ça. Ce n'est pas eux qui l'ont fait directement. Ce sont leurs arrières, leurs ancêtres qui l'ont fait. C'est comme si on te disait que tu es un esclave parce qu'on t'avait enchaîné. Ce n'est pas toi. Ce sont les gens qui ont vécu ça, c'est dans ton histoire qu'on te l'a raconté, que tu ne connais même pas. J'ai dit donc, je ne comprends pas ce côté négatif de l'Africain. Quelqu'un, j'ai dit, mais en Guinée, le Guinéen doit se sentir bien d'abord avant le Sénégalais, le Malien, le Burkinabé et ainsi de suite. On est tous des Africains, mais certes, à des degrés différents. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre cela. Donc, comment voulez-vous que ce genre de personnes comprennent un problème ethnique? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le gros souci. C'est la clairvoyance. C'est la clairvoyance qui manque à l'Africain. Là, il n'est pas clairvoyant. J'ai plein d'histoires comme ça. C'est comme les faux cheveux. Moi, j'en mettais plein. Et on a une alopécie après, frontale. On a des alopécies, c'est-à-dire, tu perds les cheveux. Avant, quand ça n'avait pas commencé, j'ai vu un dermatologue une fois, on a parlé de ça. Il m'a dit qu'il ne comprend pas pourquoi les Africaines aiment les faux cheveux. Moi, j'ai défendu les Africains. Il m'a dit, mais ça vous fait perdre vos cheveux. J'ai dit, oui, effectivement. Il m'a dit, madame, c'est la première fois qu'une Africaine reconnaît ce que vous reconnaissez là. Que les Africaines, tu vas leur dire que c'est les tresses là qui te fait perdre les cheveux, qu'elle va dire que non, c'est pas ça. Que c'est la première fois que quelqu'un reconnaît ça. J'ai dit oui, parce que c'est une vérité. Quand on tresse les cheveux, on tire dessus. Quand on accroche les mèches, on accroche un poids à la racine, aux cheveux. Donc forcément, au final, ça tire. À la longue, vous voyez vos copines, quand elles enlèvent leur sale perruque, le front, il n'y a rien, c'est honteux. C'est une horreur. Mais on refuse d'accepter ces vérités. Donc, c'est très difficile et c'est des gens qui vivent ici. Quelquefois, c'est des gens qui sont nés ici. Mais je pense que ça, c'est dans notre ADN ou dans notre sang. Ou je ne sais pas comment vous expliquer ça.
Donc, quand je vois les gens analyser par rapport à la Guinée ethniquement, comme le monsieur brillant qui a intervenu tout à l'heure, qui a une page et tout, il voit les RPGistes dire que si quelqu'un sort, on va faire ci, on va faire ça. C'est les gens qui n'ont pas la clairvoyance. Ce sont des gens qui ne sont pas bien guidés. C'est pourquoi quand je vous parle régulièrement de la religion, c'est par rapport à cela. Parce qu'en islam, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Mais moi, j'ai déjà vu des Guinéens qui me disent qu'eux, ils ne peuvent pas se mettre à la place du prochain. J'ai dit, ok, mon frère, si toi, tu ne peux pas te mettre à la place de quelqu'un, il n'y a pas de débat. Parce que je suis en face d'un animal sauvage. Je ne peux pas discuter avec un être humain qui ne peut pas se mettre à la place de l'autre et se mettre à sa propre place. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? On n'a rien à se dire, on va laisser l'affaire là. Mais il faudrait que vous sachiez que vous allez vivre, vous allez subir cela ailleurs. Quelle est l'humiliation que l'Africain ne subit pas ici pour les papiers, juste pour le papier. Juste pour le papier que tu prends, tu déchires. Il y a des gens qui font des enfants pour ça. Il y a des gens qui se marient pour ça, pour les papiers. Ça, c'est un système que je n'ai jamais compris. Faire l'enfant pour les papiers. L'enfant, un être humain. Un être humain pour les papiers. Les gens là peuvent vous respecter. Ils ne peuvent pas vous respecter, mes frères et sœurs. Se marier, tu n'aimes pas la personne, juste pour les papiers. Vous pensez qu'ils ne le savent pas? Ils le savent. Ce sont des choses qui font que on ne nous respecte pas, on ne peut pas nous respecter, on n'est pas vrai, on n'est pas sincère. Notre côté humain, je sais pas où on le met, où on l'a mis, où... Voilà, c'est délicat toutes ces situations, mais quand c'est une Africaine comme moi, je parle de ça, je suis avec les Français, ils me disent, mais et toi, tu sors d'où? J'ai dit, pourtant, je suis née en Afrique, j'ai grandi là, je suis venue en France, j'avais 20 ans ou 21 ans. Mais j'ai toujours analysé comme ça. Moi, j'ai grandi à Furikaria. J'ai toujours analysé comme ça. J'ai toujours eu un problème avec les Guinéens. Toujours. Parce qu'on ne se comprenait pas. On ne se comprenait pas. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas une bonne Guinéenne. Ou, en tout cas, il y a quelque chose que j'ai que les autres n'ont pas. Ou ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Il y a des trucs que moi, je ne peux pas faire à quelqu'un. Non, ce n'est pas possible. Quand tu me fais quelque chose, tu me donnes l'autorisation de m'éloigner de toi. Même si ce sont mes parents et mes frères et sœurs. Mais j'ai peur des méchantes personnes. Quand tu es méchant avec moi, je m'éloigne de toi. C'est pourquoi quand je dis aux jeunes de l'Axe de ne pas sortir, il ne faut pas sortir. C'est par rapport à ça. Il y a des gens qui le font par méchanceté. Il y a des gens qui veulent vous faire porter le chapeau. C'est tout. Mais on sait qui est qui. On sait qui ne veut pas avoir le peuple au pouvoir. On sait qui a voté pour qui. Alpha, là où il est, il le sait. Et il va vous chicoter. Et si j'ai la possibilité de l'aider à vous chicoter, je vais le faire. Parce que c'est comme ça. C'est le règlement. Il faut assumer. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Peut-être demain, après-demain, je ne sais pas. Ça dépendra de la situation. Car Allah nous donne la clairvoyance. Si tu n'as pas la clairvoyance, pour avoir la clairvoyance, il faut avoir la foi, la sincérité et la certitude dans la foi. Si tu n'as pas cela, ce n'est pas possible. Quand vous voyez des gens ici, par exemple, qui ne sont pas contents, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, un petit jeune qui est camarade, qui me dit qu'il me maudit au nom de l'islam parce que je faisais honte à l'islam. Tu vas aller voir dans sa famille, il y a des décapés. Il y a des gens qui ont mis des produits éclaircissants, qui mettent des mèches, qui mettent des faux cheveux. Ils ne maudissent pas ceux-là. Mais moi, ils me maudissent. Je ne sais même pas de quel droit ils me maudissent. Parce que moi, je dis qu'en Guinée, c'est une mosquée noire. C'est un faux islam. Si j'ai un truc à reprocher à l'ethnie peul et la communauté peul, c'est ce côté islamique qu'ils n'ont pas eu la sincérité dedans. C'est tout ce que moi, je peux leur reprocher. C'est tout. Parce que moi, je sais qu'avec ma petite foi que j'ai là, avec ma petite sincérité que j'ai là, mes frères et sœurs, ce que j'arrive à faire avec cela, moi je le sais en tant qu'individu seul. Donc si je vois, s'il y a un groupe qui ont à peu près la même chose que moi, je sais jusqu'où ça peut aller. Donc les gens n'ont pas compris l'islam. On leur a servi un faux islam. Un faux islam, là-bas aussi, ça a été... un faux truc, un mensonge, les religieux ne font pas leur boulot, ça critique ce sens-là, mais je pense qu'il vaudrait mieux que vous critiquiez les filles de Nideux. Moi, c'est la sunna,
Voilà, c'est tout à fait logique et normal. Je ne vois pas ce qui vous dérange. Si je dis qu'Alpha est un vaurien, on n'a pas voté pour lui, il ne prie pas, il ne jeûne pas, c'est un cafre, il est irrespectueux, il n'est pas respectable. Donc, je ne vois pas ce que je fais de mal. Et je suis dans mes droits. Je vous ai dit, il n'y a aucun moyen de pression pour faire en sorte que moi, je ne fasse pas de vidéo. Tout ce qui a participé à mon évolution spirituelle, je vais en parler. Les gens qui ont eu des Louis Vuitton qui les ont fait évoluer, c'est ce qu'ils vous disent. Si elles ont eu des chaussures et des sacs et des maisons et des voyages qui leur ont fait évoluer, c'est ce qu'elles vont vous présenter. Pour l'instant, ça, ce ne sont pas des facteurs de développement. Après, ça dépend de ce que vous êtes en train de rechercher. C'est vous qui savez, les gens que vous regardez, ce que vous recherchez, ces gens-là. Mais rassurez-vous, le côté que tu seras, qui que tu sois, pour le Guinéen, tu es bon là-bas. Même si tu n'es pas bien, tu es bien. Même si ce que tu dis est vrai, ça ne l'arrange pas. Si ça ne l'arrange pas, mais c'est vrai quand même, il te déteste. Mais il faut que je fasse semblant tout de suite là. Je fais semblant tout de suite. On fait un jeu. Dans une semaine, je change de cap. Je commence à parler du bien du RPG. Vous allez voir. Les mêmes qui sont en train d'insulter dans les commentaires, ils vont venir écrire les bons commentaires ici. Je sais de quoi je parle. Donc, merci pour les partages et les commentaires. Et ceux qui ont appelé, je suis désolée d'avoir coupé certaines personnes. Voilà, on ne peut pas tout dire le même jour. Bon, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pris le temps. Je vous ai laissé intervenir. Il y a des moments, je n'ai pas le temps de le faire. Je fais au mieux, je fais comme je peux. Il faut le comprendre. Ça arrive quand ça doit arriver. Mashallah, par la grâce d'Allah. Donc, parce que il voulait bien malheur mais net il va la tagan à ta mena par gini tandis que ta amour nena donc il remarane nien nien ar voulait tan de masque fira. Donc quelqu'un qui ment, tu n'es pas avec Allah. Quelqu'un les fausses promesses, tu n'es pas avec Allah. Quelqu'un qui est sale, tu n'es pas avec Allah. Tu utilises des produits éclaircissants, tu n'es pas avec lui. Tu utilises les faux cheveux, tu n'es pas avec lui. Parce que tout ce qu'il t'a donné, tu le rejettes. S'il t'a donné telle ou telle chose, un nez épaté, un gros nez, une grosse bouche, de grosses lèvres, parce qu'il pense que c'est ce qui est bon pour toi, c'est ce qui est adapté à toi. Maintenant, dès que tu falsifies cela, ça veut dire que tu renies ce que lui t'a donné, tu vas chercher autre chose. Pour dire, dis donc, ah, c'est très bien, tu m'as donné ça, mais moi je n'aime pas. Donc, on n'a pas besoin d'aller loin pour cette histoire d'islam. Donc, si on prend ces facteurs, je pense que il n'y a pas grand monde qui est avec lui, hein, sincèrement. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, quand je vous vois raconter des sottises, vous êtes des sots, vous êtes des idiots, parce qu'il faut être idiot. Je ne sais même pas pourquoi vous dites que les gens de l'UFDG sont des moutons. Je ne comprends pas ça. Vous suivez quelqu'un depuis 30 ans, depuis 40, 50 ans. Il vous a menti de bout en bout. Il a dribblé vos parents. Il vous a dribblé. Il ne vous a rien apporté. Rien du tout. Sauf désolation et tristesse. Qui est mouton dans l'affaire là, sincèrement? Ou bien c'est la signification de mouton aussi que vous ne connaissez pas. Donc soyons sincères avec nous-mêmes. Voilà. Soyons sérieux pour qu'on nous prenne au sérieux. À force de raconter tout et n'importe quoi régulièrement, le mensonge va te rattraper. Alpha a menti toutes ces années-là. Vous voyez les dames, Madame Sarou de Soukondé qui est passée ici. On a vu le jeune Konaté qui est passé là. C'est des malinqués. Tout ce qu'ils disent, comment ils ont monté que Alpha est guinéen, tandis qu'il ne l'est pas. C'est parce que ça ne s'est pas bien passé. Si ça s'était bien passé, on allait dire qu'il est guinéen, mais comme ça ne s'est pas bien passé, on a recherché ses origines. Sarkozy, quand ça se passait bien, il était français. Quand ça tourne mal, on dit qu'il a des origines autrichiennes ou je ne sais pas quoi. Ala womba yisintane tuyira, ala kere nambiri sondo mafina nyanik mafikulu, ala Allah a sintané tué des masques, Allah a sintané tué bas suture. Et l'homme nous dalil yo utilise fait. Allah subhanahu wa ta'ala nan l'homme nous dalil yo bilinda. N'est-ce pas tant l'homme nous attend dalil yo utilise fait. Allah nan wofanda. Allah nous fa rafid.
progressivement. Merci beaucoup.